Shalom à tous et soyez les bienvenus sur Authentique Visuel. Alors, KS Bloom vient de faire sortir un nouveau hit, Dieu pile pas foutu. Dieu pile pas foutu, il pile pas foutu. Dieu pile pas foutu, il pile pas foutu. Il donne l'eau, il donne pas nan, il pile pas foutu. Il donne pas, pas non, mais il pile pas foutu. Et plusieurs déjà donc parlent autour de cette musique là. Certains acceptent, d'autres n'acceptent pas. Et nous nous sommes là aujourd'hui pour demander à la population abidjanaise de nous donner ce qu'ils en pensent, leur impression sur donc le chant de KS Bloom. Allons ensemble, suivez-moi et nous allons prendre la vie de tous les passants. Dieu ne pile pas foutu. Déjà, c'est un peu péjoratif, donc ça diminue un peu la puissance de Dieu. C'est vrai qu'il faut rentrer un peu en profondeur avant de savoir exactement de quoi il parle, mais l'enfant, il ne retient pas cela. Un enfant peut-être de 10 ans, 15 ans ne retient pas tout de suite toute la chanson. Il retient juste la première phrase, et la première phrase, pour moi, elle est péjorative. Donc, KS Bloom, c'est vrai, c'est un grand chanteur. Voilà, on admet ce qu'il fait. Il fait pas mal de choses, de belles choses. Et peut-être même, certains diront qu'il a envoyé plusieurs âmes à Christ. Mais il faut le reconnaître que cette chanson a été mal composée. Je dirais que la chanson a été mal composée pour moi. Quand bien même d'autres diront que c'est intéressant, tout et tout et tout, il faut entrer en profondeur pour mieux comprendre. Mais moi je dis, la chanson est très mal composée, parce que c'est une sorte de litote. Pour ceux qui ont fait un peu la littérature, ils peuvent comprendre que la litote, c'est d'abord un truc de péjoratif. Quand bien même, ce n'est, au fond, ce n'est pas mauvais, mais à l'entendre, c'est péjoratif. Donc, pour moi, il devrait vraiment faire mieux. Voilà. Mais au-delà de l'aspect spirituel, on sait très bien que la musique, c'est aussi de l'art. Alors, ce n'est pas de l'art qu'il a voulu véhiculer en utilisant donc ces figures de style dont vous parlez. Oui, c'est de l'art. C'est de l'art. Mais là, c'est quoi? Là, c'est quelque chose de beau. Ici, il fallait exprimer le beau. Mais est-ce que, quand vous entendez Dieu ne pile pas foutu, est-ce que c'est beau à entendre? Non. Voilà. Il faudrait que les notes vont avec la parole. Voilà. Et ici, pour quelqu'un qui ne veut pas tout écouter, qui entend Dieu ne pile pas foutu, ben écoutez, ce n'est pas beau à entendre. Et ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Voilà. Donc, pour moi, il doit revoir un certain nombre de choses. Et il doit composer des textes qui vraiment rentrent dans le cadre de la vraie mission. Celle de rapporter, n'est-ce pas, des âmes à Dieu. Pour Dieu, on peut faire tout. On peut se trimballer comme si on avait le diable au corps. C'est pas le physique qu'on voit là qui compte, comme je l'ai dit là. C'est, on peut même piler foutu. Je le dis, je le répète, on peut piler foutu à l'église. Mais l'image qu'on veut donner, c'est pas le foutu qu'on entend de piler là qu'on regarde. Il y a un message qui est donné. Et c'est ce message-là qui doit être en avant-garde. On ne doit pas regarder le goal, le volet là. Foutu, on peut piler. Du moment où toi, tu es engagé dans le volet spirituel, mais dans le combat spirituel là, il faut faire. Mais Dieu qui est là, c'est lui à la fin qui va juger. Je pense que depuis longtemps, lui-même, il a choisi un style, voilà, à lui qui est le gospel rap, gospel, si, voilà, si je prononce bien. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il a fait sortir ce son. Donc, pour ceux qui pensent que c'est pas, ça ne transmet pas de l'énergie, ou bien c'est pas spirituel, bon. Eux se basent déjà sur ce qui est ancien. Voilà, lui, il a envoyé quelque chose de nouveau pour attirer la jeunesse à plus, voilà, à Jésus, à aimer Jésus, à aimer la vie chrétienne et autres. Voilà, donc il pense que c'est ce qu'il fait est bon, quoi. C'est spirituel, voilà. Donc, Mais est-ce que selon toi, on peut danser Dieu pile pas foutu à l'église? Bon, ce contexte-là, là, on peut pas, en temps de louange, délivrance, tout ça, on peut pas. Voilà, on peut pas. Mais si c'est pour un show chrétien comme ça, voilà, là, on peut, ça peut se danser. Voilà, ça peut se danser. Est-ce que tu peux nous chanter un peu, nous faire sortir les pages de Dieu, pile pas foutu? Ah, bon, ce contexte, c'est un peu compliqué, hein. Parce que je mettais pas bien le son, voilà. Mais je pense bien que il a fait un truc à Dieu, pile pas foutu, d'une manière comme ça. Voilà, je pense qu'il y a un truc comme ça. Je pense que
le son est vraiment chrétien, parce que d'abord ça donne des conseils. Du coup, la vie chrétienne, d'abord, c'est pour nous enseigner, c'est pour montrer comment on marche, d'accord. Et là, KSB nous montre aussi comment on doit marcher. Parce que ne pas piler foutre, c'est je dis, Dieu ne pile pas foutre. Il donne l'eau, il donne manioc, il pile pas foutre. Ce qui signifie que Dieu t'a déjà tout donné. Maintenant, à toi, maintenant, de lever en tant qu'homme pour travailler. La Bible dit, l'homme travaillera à la sueur de son front. Tu cultiveras pour pouvoir manger et tout. Ce qui tu vas cultiver, ce qui tu vas moissonner, en quelque sorte, d'accord. Donc, du coup, c'est lorsque Dieu a déjà donné la semence, il a tout donné. Maintenant, à toi, maintenant, de semer pour pouvoir maintenant récolter. Selon toi, ce son, ça n'a pas de problème. Pas de problème, il est chrétien mais en vrai. Alors selon toi, ceux qui sont contre ce chant-là, quelle est l'idée qui les anime? Bon, la vie en fait, quelque sorte, chacun a sa manière de voir les choses. D'accord. Quelqu'un peut dire que la drogue c'est bon, quelqu'un peut dire que la drogue n'est pas bon. D'accord. Chacun dépend de son mode de vie ou de la manière qu'il voit les choses en quelque sorte. Mais est-ce que je sache, pour moi, je crois que ceux qui pensent ça... Bon, attends, ils ne savent pas, mais genre, ils ont leur manière de voir les choses. Donc, chante, on va voir. Merci beaucoup. Moi, je dis que le son est chrétien. Parce que dans la vie, Dieu m'a dit. Ils ont dit même dans la Bible que aide-toi et le ciel t'aidera. Pas parce qu'ils t'ont dit que tu seras riche, mais tu seras milliardaire. Que tu as dit, ils m'ont donné prophétie, je serai riche. Donc il m'assoit, il attend le jour Dieu a fait. Dieu ne va jamais faire. Et toi, mais tu dois grouiller. Tu fais pour te mettre Dieu t'aide. Donc comme ils t'ont dit que tu seras riche, tu t'assois pour dire riche. Si tu peux voler, tu voles. Le jour t'a attrapé, c'est ça. Le jour t'a attrapé aussi. Au moins, on a vu les personnes même qu'on construit, qu'on fait tout habiter ici. Il y a beaucoup même qui ont fait des trucs illicites. Mais aujourd'hui, ils se sont convertis. Mais toi, mais tu dis à Dieu, tu sais que ce qu'il fait là, c'est pas ça. C'est pas bon. Mais il fait comment? C'est ça qui me permet de manger. Tu fais pour toi. Après, quand Dieu va voir que c'est de ça, tu te nourris là, il va t'aider. Mais parce que Dieu dit que, on dit que tu seras riche, tu t'assois pour dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je trouve que le son est bon. C'est un son chrétien. Ceux qui parlent là, ce sont les gens qui n'ont rien. Les jaloux, ceux qui aiment parler. Moi, je pense que, réellement que le son, il est bien. Il est bien fait parce que lui-même, il a dit dans le son, Dieu pile pas foutre. Ça veut dire quoi réellement? Ça veut dire que Dieu te donne tout. Il te donne la banane, le manioc, l'eau. Mais il ne c'est pas lui en fait qui va faire que tu vas pouvoir manger. Tu vas faire que préparer. La façon dont tu veux que le repas soit, tu le fais. Voilà. Bon, le son est bon, le son est vraiment bon. C'est un artiste qui chante pour Dieu. Il motive tout le monde, il motive la jeunesse, tout le monde à aller sur le droit chemin, à savoir que Dieu, c'est lui la vérité en vrai. Donc le son est bon, KSBLOOM, c'est un artiste. Maintenant, que penses-tu de ces personnes-là qui trouvent que le message n'est pas, je dirais, spirituel? Chacun a sa manière de voir les choses. Hein. Si tu prends ça mal, ça c'est toi, tu vas vivre ça. Si tu prends ça bien aussi, c'est toi aussi, tu vas vivre ça. Comme on le dit, le salut est personnel, donc c'est un peu ça quoi. Nous venons ensemble d'écouter toutes ces personnes-là qui ont donné leur opinion sur le nouveau son de KSBLOOM. En ce qui me concerne, moi je vous retourne toujours la balle. Laissez votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en dites de ce nouveau son? Que Dieu vous bénisse.